Salut, c'est Oxius. Aujourd'hui, petite vidéo un peu différente de d'habitude. Aujourd'hui, comme c'est mon anniversaire, je vais vous raconter des anecdotes sur ma vie. Donc, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et c'est parti! Quand j'étais petit, mes amis regardaient... Dragon Ball Z, mais pas moi. À la place, je regardais... Power Rangers. Et à la récré, il y avait tous mes potes, ils voulaient jouer à DBZ, ou en fait où on essayait d'incarner un personnage d'animé. Mais sauf que bah moi je connaissais pas du tout l'univers de DBZ à l'époque, parce que déjà je m'intéressais pas du tout aux animés. Je crois que dans mon enfance, les deux seuls animés que j'ai regardés, c'était Inazuma Eleven et Pokémon. Et du coup, bah, pour moi, quand on parlait de Vegeta, je sais le lien entre la végétation, végétation, de quelle couleur. Et la végétation, bah, c'est vert. Et du coup, pour moi, Vegeta, c'était lui là, Piccolo. Oui, quand j'étais petit, je confondais Vegeta et Piccolo. Au collège, j'étais pas quelqu'un de très populaire. Et un jour, une meuf de ma classe, qui, on va pas se cacher, était assez bonne, est venue me voir pour sortir avec moi. Alors au début, j'ai eu quelques doutes parce que la semaine précédente, il y avait sa pote qui voulait sortir avec moi. Mais j'avais dit non parce qu'elle était pas à mon goût. Du coup, voilà, là, je sentais un peu le traquenard. Je sentais que si elle me demandait ça, c'était surtout pour venir me casser les couilles. Du coup, j'ai hésité un peu. Et t'as mes potes derrière qui me disaient « Non, t'es caté, vas-y, elle t'aime, fonce !» Du coup, voilà, j'hésitais un peu et je me suis dit « Ok, vas-y, au pire, on a rien à perdre, on y va. » Donc, j'allais la voir et j'allais lui dire que bah, je voulais bien sortir avec elle. Ensuite, on s'approchait l'un de l'autre et on s'est embrassés et on a eu beaucoup d'enfants. Enfin, ça, c'est dans mes rêves. En réalité, on s'est approché l'un de l'autre et elle m'a poussé en arrière en me disant « J'aime pas les moches. » Quand j'avais 4 ans, mes parents travaillaient le mercredi après-midi et du coup, bah, j'étais obligé de rester à la garderie parce que bah, mes parents travaillaient. Ça, on l'a déjà dit. Alors, une fois après manger, on a décidé de jouer à cache-cache. Donc, bah, c'était à moi de compter. Et là, je finis. Et je vois quelqu'un rentrer dans une pièce. Donc, normal, je la suis pour lui dire que je t'ai trouvé. Donc là, j'essaye de rattraper une porte qui avait une sorte de système de fermeture automatique. Et sauf que comme un con, j'ai mis mes doigts dans le côté où il y a les charnières. Enfin, du coup, bah résultat, mon majeur s'est fait couper à 75%. Il y avait quand même une bonne partie de coupé, mais il tenait encore. J'ai même encore les petites cicatrices des filles sur ce doigt. Je venais de finir mes leçons de conduite, voilà, et je commençais la conduite accompagnée. Et dès mon premier jour, mes parents ont décidé de me faire conduire pour aller à Paris, le jour de Noël. Au début, tout se passait bien, parce qu'il n'y avait pas trop de monde sur la route, mais on arrivait du côté de Paris. Et là, je peux vous dire que la route, c'est un bordel. J'ai galéré à m'insérer, mais j'ai réussi à m'insérer sur la route. Et j'ai vu qu'il y avait une autre voiture juste devant, qui était sur la voie d'accélération, mais qui était bloquée parce qu'il n'y avait pas à s'insérer. Moi, je suis gentil. Du coup, ce que j'ai essayé de faire, c'est me déporter sur la voie de droite pour laisser passer cet automobiliste bloqué. Sauf que comme un connard, j'avais oublié de regarder mes ongles morts et j'ai failli provoquer un accident à mon premier jour de conduite. Bon, heureusement, lorsqu'il a klaxonné, parce que je pense que j'aurais créé un bon gros accident. À la base, je voulais pas vraiment compter ces dernières anecdotes parce que je risque de me faire insulter par les défenseurs des animaux, mais je me suis dit que quand tu vois le monstre auquel j'ai eu affaire, bah, c'est peut-être que je pense que j'ai pu lutter par instinct de survie. En gros, j'étais en Guadeloupe avec mes parents tous les soirs que je faisais. C'était un peu le tour de ma chambre avant d'aller dormir pour vérifier s'il y a vraiment zéro bête dans ma chambre. Donc je vérifie déjà s'il n'y a pas putain de moustiques de merde. Bon, alors c'est pas avec qui je vais faire, mais déjà les moustiques c'est assez chiant parce que sachant qu'en Guadeloupe c'est porteur du chikungunya et la zingue, du coup c'est déjà un peu casse-couille ces fils de pute. Et aussi là-bas, aussi faut vérifier s'il n'y a pas leur cafard de 10 mètres. Non mais en Guadeloupe t'as des cafards genre...
Or nous, on a des cafards, genre c'est 2 cm, c'est chiant, mais encore tranquille, ça va. Eux, ils ont des putains de trucs qui font 10 fois la taille de nos cafards. Les trucs sont méga rapides, en plus ils volent. Bref, je fais le tour de ma chambre et rien n'est signé. Donc bah, je me mets dans mon lit et je m'apprête à dormir. Quand tout à coup, j'entends un bruit d'insectes dans ma chambre. Donc je rallume ma lumière et je regarde un peu partout dans ma chambre. Et là, derrière un sac, qu'est-ce que je vois? Un scolopendre. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est un mille pattes géant qui est très agressif. Très rapide, très résistant et qui fait une putain de mal. J'ai jamais été mordu par ce truc, mais d'après ce que beaucoup de gens disent, les morsures d'un scolopendre font très très mal. Et aussi, il faut savoir que c'est quand même considéré comme l'un des animaux les plus dangereux du monde. En gros, ce bordel, ça bouffe des chauves-souris, ça bouffe des putains qui est des cafards plus gros que lui. Enfin, voilà. En gros, vous voyez l'expression la petite bête ne tue pas la grosse. Ah bah, vous pouvez l'oublier, ce bordel, ça tue littéralement des trucs 10 fois plus gros que. Donc bref, du coup, aussi faut savoir que j'ai horreur de ce truc, de ces bestioles-là. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai adopté les grands moyens. J'ai pris de l'insecticide et je lui ai carrément donné une douche d'insecticide. Et après, pour être sûr qu'il soit bien mort, je lui ai mis 10 coups de claquette. Voilà. À la fin, j'avais l'impression d'être Levi de l'attaque des titans, mais un peu en moins charismatique et aussi en moins courageux. Mais j'ai survécu. J'ai survécu à un scopant dans ma chambre qui. Il m'aurait pas tué, mais j'ai survécu. Dans tous les cas, il m'aurait pas tué, mais dans tous les cas, mais j'ai survécu quand même. C'est un bon exploit. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. N'oubliez pas de la liker, de vous abonner, de partager et de commenter si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à plus pour de prochaines aventures. C'est Linuxius. Salut!